Merci Tammy, Monsieur le Ministre, cher Brahim, Sahara. D'abord, je voudrais remercier Amadeus et Maroc Les Sports de nous inviter à partager une réflexion et sur une thématique qui est extrêmement importante pour le Maroc, un pays qui est engagé, un pays qui a décidé de s'ouvrir sur le monde extérieur depuis de longues années, un pays qui a décidé de construire une démocratie, un pays qui a décidé d'interagir avec une mondialisation de plus en plus compliquée. Aujourd'hui, votre présence parmi nous et cette rencontre démontre encore une fois que la question de la marque Maroc se pose avec acuité et nous interpelle tous dans la mesure où nous faisons face à des évolutions de plus en plus compliquées. Il y a des spécialistes ici. Après l'intervention du ministre, moi je souhaiterais uniquement partager avec vous un itinéraire modeste de par ma fonction de diplomate, n'est-ce pas Nabil, où on a travaillé pour le rayonnement de notre pays du Maroc pendant des années. Tout à l'heure, je le disais, nous vivons aujourd'hui un contexte particulier dans lequel le Maroc, grâce au leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, peut s'enorgueillir d'avoir construit un modèle inédit, un modèle qui aujourd'hui consolide sa démocratie et un modèle qui est, comme tout à l'heure le disait Monsieur le ministre Abou, un Maroc démocratique, ouvert et intégrant l'ensemble des dimensions du développement humain. Dans une région où les repères idéologiques sont brouillés, le Maroc, grâce à son engagement pour la consolidation de la démocratie, grâce à une vision, il faut le dire, une vision de Sa Majesté pour construire un État moderne, un État démocratique et résolument ouvert sur l'extérieur, bien grâce à tout cela, le Maroc a pu préserver sa stabilité, sa cohésion et renforcer son développement à tous les niveaux. J'espère que donc on aura l'occasion d'en parler pendant cette réunion. Si Abou en a parlé, je ne vais pas en parler, c'est les évolutions, les réformes, les grandes réformes endogènes. Moi, je pense que je dirais peut-être les transformations. Le Maroc s'est transformé grâce à cette orientation royale, grâce à ces projets. Eh bien, l'ensemble de ces facteurs, de ce développement économique, fait aujourd'hui, à mon avis, que le modèle marocain a atteint une certaine maturité. Et atteindre une certaine maturité et en même temps construire une image distinctive reflétant nos propres identités et notre propre référentiel. Et en effet, dans un contexte où l'image de marque d'un pays constitue l'élément fondamental de l'attractivité, des partenariats et de la compétitivité, le Maroc, outre, et ça il faut le souligner, outre sa position stratégique singulière, a su promouvoir une image qui lui est propre à travers, je crois, une lecture sereine, décomplexée et sans tabou de nos réalités nationales. Et ces réalités sont, je crois, une vision d'abord claire que le souverain a tracée pour l'avenir de la nation, une stabilité avérée grâce à la solidité de nos institutions démocratiques, malgré les critiques que nous recevons, mais nous, en tout cas, nous sommes engagés et une détermination d'aller toujours au-delà. Troisième élément, c'est des transformations effectives. Le ministre Abou en a parlé grâce aux différents travaux, mais aussi un élément que je pense fondamental, c'est la confiance internationale sans faille sur ce modèle marocain par les institutions internationales, etc. Alors ce cheminement particulier, lucide, a permis au Maroc de capitaliser sur les,
sur les acquis enregistrés. Je crois que cette, tout à l'heure, le ministre Abou, je crois que même Brahim Fassifi en parlerait du message adressé par Sa Majesté à la conférence des ambassadeurs lorsqu'il, Sa Majesté, a dit que la promotion du label Maroc n'est pas un simple slogan, mais plutôt un objectif stratégique. Eh bien, cette projection internationale, cohérente et claire, reflète l'engagement du Maroc dans une dynamique endogène et qui fait qu'aujourd'hui, le Maroc se présente devant ses partenaires comme un partenaire crédible, un partenaire écouté, mais surtout un résolument engagé dans une dynamique d'ouverture et de modernité, pleinement attaché à ses valeurs identitaires, culturelles et spirituelles, c'est important, pluriel dans ses choix démocratiques et qui est d'ailleurs irréversible, et pleinement engagé dans la défense de la paix et de la sécurité internationale. Nous étions au Conseil de sécurité, nous avons fait un travail extrêmement important pour la paix, nous continuons à le faire. Et cinquièmement, je crois, en phase, un Maroc, en phase avec les évolutions économiques internationales. Eh bien, ces choix stratégiques de notre pays, depuis le début de l'indépendance et renforcés dernièrement, se sont faits grâce à des instruments novateurs. Accords du libre-échange, dialogue politique, etc. Au niveau du monde arabe, en édifiant des partenariats stratégiques avec les pays du Golfe, et la dernière visite de Sa Majesté dans le pays du Golfe a été également un moment fort. C'est vrai qu'au niveau du Maghreb, les perspectives ne sont pas très bonnes, mais nous continuons toujours à croire que le Maghreb est une opportunité pour l'ensemble des pays pour créer de la richesse ensemble et pour lutter contre les différents défis. Au niveau africain, grâce à ce partenariat sud-sud agissant, euro-méditerranéen, à travers ce que nous avons fait avec l'Europe dans le cadre du statut avancé et des partenariats bilatéraux que nous avons avec beaucoup de pays européens, mais aussi transatlantique à travers le FTF des États-Unis et surtout dernièrement avec de nouveaux partenaires stratégiques comme c'est fait le cas de la Russie de la Chine. Donc le Maroc, grâce à ses instruments, grâce à cette vision, grâce à cet engagement, ambitionne la prospection de nouvelles niches d'opportunités en développant une nouvelle projection stratégique. Je crois que si aujourd'hui nous sommes réunis ici tous, c'est pour voir comment on peut mieux travailler dans le cadre de ce contexte régional qui est difficile, mais dans lequel le Maroc se présente aujourd'hui comme un partenaire fiable, écouté. Alors je voudrais terminer. Sur une petite note sur l'Afrique. Je crois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de collègues africains qui sont parmi nous pour dire que l'Afrique est une priorité en matière de politique étrangère du Royaume du Maroc. Sa Majesté insiste énormément. Les instruments que nous avons mis en place, les différentes visites royales, les fréquentes visites de Sa Majesté dans le continent démontrent encore une fois que, outre des considérations économiques pour accompagner l'entreprise marocaine, la vision Afrique du Maroc, c'est aussi remplir un devoir de solidarité à travers, bien sûr, ce que nous faisons en termes de formation, des cadres, etc. Ce que nous faisons également, c'est ça également l'image du Maroc dans le domaine spirituel, dans le domaine culturel, à travers la formation des imams, à travers la promotion d'un islam tolérant. C'est également un élément important de notre image en Afrique. Non seulement pour lutter, pour déconstruire des discours djihadistes, mais également pour promouvoir un islam de paix, de tolérance et de solidarité avec nos frères africains. Donc c'est, et je conclurai par là, j'espère que je n'ai pas été assez long, pour dire que c'est grâce à l'ensemble de ces atouts fondamentaux qui sont la stabilité, la démocratie, l'état de droit et la projection stratégique, Nabil. Et c'est grâce à ces principes que le Maroc est aujourd'hui reconnu
comme étant un partenaire crédible, sérieux, avec lequel on peut s'engager pour construire un avenir commun de paix et de stabilité. Shukran. Merci. Merci beaucoup, M. Samrani, pour ce tour d'horizon et la portée de la vision royale et des actions menées par le souverain pour pouvoir nous ouvrir les voies pour l'avenir et positionner l'identité marocaine et le label marocain dans le monde.